Bonjour et bienvenue dans cette sixième partie du cours de statistique. Ici, j'ai envie de dire que les choses sérieuses commencent. Non pas qu'on ait fait n'importe quoi avant, mais on va tout doucement aller vers l'étude de la population. Donc, nous connaissons déjà pas mal de choses à propos d'un échantillon. On va parfaire ces connaissances-ci de manière ultime, hein, parce que ça, ça va être la dernière fois qu'on va évoquer les caractéristiques de l'échantillon. Mais on va surtout les évoquer pour pouvoir extrapoler à la population. Et ça, ça va être excessivement important. Allez, go, c'est parti. Vous vous rappelez, hein, on avait conclu l'étude d'un échantillon en caractérisant la moyenne, qui est finalement le nombre que l'on va communiquer au grand public. Parmi n données, on va finalement calculer la moyenne que l'on note X bar. Et qui est défini tout simplement par la somme de toutes les valeurs possibles, le tout divisé par le nombre de valeurs qu'il y a dans votre échantillon. J'ai repris la formule euh, telle qu'on la considère généralement, c'est-à-dire que les différentes valeurs xi sont différentes pour le coup et peuvent apparaître un certain nombre de fois. Ça, c'est l'effectif ni qui apparaît dans votre formule. C'est le premier paramètres à communiquer. Maintenant, vous en avez un autre, qui est l'écart type. Pourquoi Parce que la moyenne, on ne sait pas si elle est représentative, oui ou non, de votre base de données. Et pour en avoir une idée, il faut savoir comment les données se répartissent autour de cette moyenne. Est-ce que les données sont excessivement éloignées de cette moyenne, en tout cas certaines d'entre elles, ou bien au contraire, sont-elles toutes rapprochées de cette moyenne eh bien c'est l'écart-type qui va mesurer ça et l'écart-type je vous le rappelle est défini comme une racine carrée de la variance bon on avait conclu par ça mais vous allez voir surprise eh ben on va devoir un petit peu modifier tout ça et je vais vous en convaincre à travers une base de données qui est très très limitée et qui pourtant est censée représenter une population population je vous rappelle normalement on a beaucoup de données Bien, je vais ici jouer de manière factice avec une base de données qui comporte uniquement 10 nombres. Donc, variable quantitative et même variable quantitative continue ici puisqu'il s'agit de mesurer la taille de 10 personnes. Donc les résultats sont affichés, hein. j'ai sélectionné 10 personnes au hasard et j'obtiens 1m68 et euh, 19, euh, 165,31 en centimètres, etc. Ce sont 10 données, qu'elles soient relatives à un échantillon ou une population, je peux de façon tout à fait traditionnelle calculer la moyenne et calculer l'écart-type. Voilà, la moyenne est de 173,85. Donc comment ai-je obtenu ça Simplement en additionnant les 10 nombres et en divisant la somme par 10. Et puis l'écart type, j'ai appliqué tout simplement la, la formule que je vous ai rappelée précédemment. Sur un graphique, on voit ce que ça donne. Donc ici, vous avez en vert clair l'ensemble des 10 données présentées sous la forme d'un nuage de points. Bien sûr, tout ça ordonné par ordre croissant, hein, donc on a commencé à la taille la plus petite, qui est, si je vois bien, de 1m65, et puis pour terminer par la taille la plus grande, qui est de, popopam, euh, bah 1m80,67. L'ensemble de mes 10 données, c'est le graphique vert clair. En orange, j'ai tracé un segment horizontal qui est relié à la moyenne, donc on l'a calculé hein, 173,85. Vous voyez à nouveau ici que, à peu près, puisque ce n'est pas évidemment euh, ce qui va nous donner la médiane, mais on sait que dans ce cas-là, la moyenne est fort proche de la médiane. Donc à peu près 50% des données sont supérieures à 173 et à peu près 50% des données sont inférieures à 173. Ce qui signifie que le segment horizontal orange coupe à peu près le graphique nuage de points en son centre. Puis vous avez deux autres segments horizontaux, un vert plus foncé et un rose. Qui traduisent quoi bah Tout simplement... Pour le vert foncé, la moyenne plus une fois l'écart-type, donc ici de l'ordre de 179. Et pour le segment rose, la moyenne moins l'écart-type. Ah, donc là, vous faites 173,85 moins 5,31. Et vous voyez, et on y reviendra très prochainement, qu'on englobe ainsi ben déjà une bonne partie des données. Ma foi les données n'ont pas l'air d'être trop dispersées euh, autour de cette moyenne et tout a l'air d'aller dans le meilleur des mondes. Et pourtant, et pourtant ce n'est pas le cas. Pourquoi Parce que faisons comme si, c'est-à-dire considérons une population, alors c'est une population qui n'a aucun sens en statistique, 10 hein. données, on ne traite pas ça comme une population mais comme un échantillon, mais faisons comme si. Et pourquoi est-ce que je fais ça Eh bien tout simplement pour vous permettre de vous convaincre de certaines choses. Parce que si je vous donne une population avec 10 millions de données, vous n'allez pouvoir rien calculer à la main et peut-être que vous ne serez pas aussi convaincu que vous allez l'être maintenant avec 10 données. Donc voilà, on va être dans un pays imaginaire où une population est constituée de 10 données. 10 tailles, les voilà. Et maintenant je vais sélectionner des échantillons dans cette population et voilà le premier je sélectionne un échantillon de trois tailles trois tailles donc complètement au hasard ici hein, donc j'ai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 comme possibilité et bien je sélectionne au hasard imaginez que vous ayez 10 cartons dans un chapeau et qu'une main innocente sorte trois cartons eh bien, le premier carton qui sort, c'est le 1, le deuxième, c'est le numéro 3, et le troisième, c'est le numéro 7. Autant dire que j'ai trois données dans mon échantillon, les trois tailles, 168, 180 en arrondissant, et 168. Ben, par rapport à cet échantillon, tout est clair. Je peux calculer une moyenne comme je peux calculer un écart type. Et voilà ce qui va se passer. Donc, pour mon échantillon qui a donc... 3 données, j'ai une moyenne de 172,18. Donc j'ai tout simplement fait ici 168,19 plus 179,95 plus 168,40, le tout divisé par 3. Une fois que j'ai calculé la moyenne arithmétique de mon échantillon, je peux sans problème calculer l'écart type et il est de 5,49. Oui mais maintenant... Je me rappelle que j'avais également calculé la moyenne et l'écart type de ma population de 10 données. Maintenant, puisqu'il s'agit d'une population, pour ne pas s'en mêler les pinceaux, on va différencier la moyenne de la population de la moyenne de l'échantillon. Et pour ça, on va adopter des notations différentes. La moyenne de la population, elle va dorénavant se noter avec un mu. Alors, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais bon, c'est l'usage et on doit bien s'y adapter. Donc je vous rappelle que la moyenne de la population, c'est-à-dire de mes 10 tailles, était de 173,85. Comparons ça à la moyenne de mon échantillon, de 3 données uniquement. Nous sommes à 172,18. Bon, on n'est pas trop, trop loin. Est-ce que c'est vrai aussi pour les écarts-types Bien là, à nouveau, je vais adopter une autre notation pour différencier l'écart-type de la population de celui de l'échantillon. Donc pour l'échantillon, la notation S est d'actualité. Pour la population, ça va devenir sigma. En général, on utilise des lettres grecques pour la population. Et là, j'ai un écart-type de population de 5,31 que je dois comparer à un écart-type d'échantillon de 5,49. Bon, à nouveau, je ne suis pas très loin. Nous n'avons pas une égalité, tant au niveau des moyennes qu'au niveau des écart-types, mais nous ne sommes pas à des années-lumière non plus. Est-ce que ça va se répéter Eh bien, pas forcément. Pas forcément, parce que tout dépend de la main heureuse ou malheureuse que vous allez avoir pour tirer au sort les échantillons. Regardez ici, bah, je suis allée dans les... Petite taille avec 268, mais quelque part ça a été compensé par une grande taille, une des plus grandes d'ailleurs avec 179,95. Résultat, ça a tiré ma moyenne vers le haut. Mais imaginez que j'ai une main particulièrement malheureuse et que je tire au sort un autre échantillon qui sera cette fois-ci 1, 2 et 7. C'est-à-dire que je vais tirer au sort. Et tant pis, c'est le hasard qui l'a décidé, les trois plus petites tailles. Oui, mais avec trois petites tailles comme ça, 168, 165, 168, je suis légèrement en dessous de 168 pour la moyenne. Et donc, je m'écarte beaucoup plus de la moyenne de la population qui est de 173. 174 en arrondissant d'ailleurs. Et donc, finalement, je me rends compte que l'échantillon va dépendre du fait. D'avoir une main heureuse ou pas. Et ça, je ne peux pas l'admettre parce que c'est le hasard qui va décider du tirage de mon échantillon. Donc, comment éviter d'avoir affaire, d'avoir autant de poids par rapport à cette main heureuse ou malheureuse? Eh bien, en multipliant le nombre d'échantillons, tout simplement. Et ça, je peux peut-être vous en convaincre avec un jeu. Si vous jouez à pile ou face, et que vous tirez dix fois la pièce, peut-être que vous allez avoir quelque chose de malheureux dans le sens où vous allez avoir deux piles et huit faces. Malheureux dans le sens où vous vous attendez, il n'y a pas de raison que la pièce tombe plus sur pile que sur face, vous vous attendez finalement à avoir cinq piles et cinq faces. Ce qui est vrai au niveau de la population, vous aurez exactement 5 piles et 5 faces. Mais pour votre échantillon précis, quand vous faites vos 10 jetés de pièces, peut-être que pas de chance, vous allez avoir que 2 piles et 8 faces. Alors, comment se rapprocher des 5-5, du 50% 50% Eh bien, en multipliant tout simplement les tirages. Donc, vous allez lancer votre pièce beaucoup plus de fois que dix fois pour aboutir à ce 50%-50%. Et c'est un petit peu l'idée ici aussi, c'est la loi des grands nombres. C'est on va tirer un échantillon de trois données au sort, et bien pour contrecarrer le fait que le sort puisse être heureux ou malheureux, on va en fait en tirer beaucoup de ces échantillons. Et réellement, j'en ai tiré ici. 15 au sort. Donc j'ai demandé, alors je ne l'ai pas fait moi-même, hein, je l'ai demandé à R qui fait très bien ça pour moi, bah, tirez-moi au sort parmi les 10 numéros, là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tirez-moi 3 numéros au sort et puis calculez-moi la moyenne de chacun de ces tirages, comme j'ai fait précédemment avec mon, mon tirage 1, 3, 7 qui m'a donné une moyenne de 172,18. Eh bien j'ai fait ça 15 fois et j'ai obtenu comme vous voyez différentes moyennes. Donc 170,66, 171,81 etc. Bon vous voyez que grosso modo je m'éloigne quand même pas trop. De la moyenne de la population. Il y a bien le cinquième tirage, là, manifestement, celui-là a été précisément le tirage malheureux que je vous mentionnais, c'est-à-dire d'avoir sélectionné les trois plus petites tailles. Bon, bah, c'est comme ça, c'est la faute à pas de chance. Et donc, nous avons une moyenne très petite, 267,3. Très petite, c'est-à-dire très éloignée de la moyenne de la population. Mais vous voyez, si j'avais ciblé uniquement sur cet échantillon-là, ben, j'étais vraiment très éloignée de la moyenne de ma population. Tandis qu'en multipliant le nombre d'échantillons, 15 ici, je vais compenser ça parce que c'est pas possible d'un point de vue probabiliste d'avoir la main malheureuse autant de fois de suite. Forcément, ça va être compensé. Et donc avec 15 tirages d'échantillons de trois données, c'est-à-dire de trois tailles ici, j'obtiens 15 moyennes. Oui, mais qu'est-ce qui m'empêche Ces 15 autres données, là que vous avez, ces 15 moyennes. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de faire la moyenne de ces 15 données là, c'est-à-dire de ces 15 moyennes Ah, on s'amuse, on va faire la moyenne des moyennes. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Donc, on additionne ces 15 moyennes et puis on divise le tout par 15. Et là, on obtient... 173,68. Quand je vous disais que faire plusieurs tirages arrangeait bien les choses. Et oui, parce que maintenant, regardez la moyenne des moyennes. 173,68, c'est très proche de la véritable moyenne de la population, qui est de 173,85. Bon, bah, si ça marche bien pour la moyenne, ça marchera bien pour l'écart type. Je vais faire la même chose. Je vais demander à mon logiciel R de tirer au sort 15 échantillons de trois euh, données à chaque fois, de trois tailles, et puis de me calculer les écarts-types qui correspondent. Et voilà ce que j'ai obtenu. Et là, vous voyez tout de suite qu'il y a des signaux qui se mettent au rouge. Pourquoi Eh bien, parce que à peu de choses près, pour les moyennes tournait à peu près aux alentours de 173. Il n'y avait pas vraiment de valeur très éloignée. Par contre, ici, regardez. Regardez, donc nous savons que nous avons un écart-type de 5,31 pour la population. Et ici, ça démarre très mal. On est à 1,6 pour le premier tirage. Bon, heureusement, 4,69, 6,45, 6,30. Euh, tout ça, je vais dire, euh, n'est pas encore trop éloigné, mais bam, cinquième tirage, on retourne à 1,41. Donc c'est un petit peu la catastrophe au niveau de l'écart-type. Bon, est-ce que la moyenne va compenser Donc là, à nouveau, j'ai 15 données. Donc je me dis, 15 données, je peux calculer la moyenne des écarts-types, comme j'avais calculé précédemment la moyenne des 15 moyennes. Et bien maintenant, je calcule la moyenne des 15 écarts-types. Bam! Malheureusement, même en calculant la moyenne, ça ne fonctionne pas. Alors, je ne suis quand même pas des années-lumière, hein, comme le 1,6. Mais rappelez-vous, rappelez-vous le problème du statisticien. Il ne connaît rien en principe de la population. Il ne connaît rien de la population. C'est là toute la difficulté. Moi j'ai un petit peu triché et c'est pour ça que j'ai intitulé ceci faisons comme si en vous donnant toutes les caractéristiques de la population. Mais réellement dans la vraie vie, nous n'en disposons pas. Nous n'avons que la partie verte. Et à partir de la partie verte, on doit pouvoir dire hm, j'en déduis que pour la population ça va être 2. Si j'ai une moyenne x bar de 173, 168, bah j'en déduirais... Que la moyenne de la population n'est pas très éloignée. Et de fait, ici, avec cet exemple, mais on sait à quel point on triche, hein, avec cet exemple-ci, on voit effectivement que les deux moyennes sont très proches. Même en trichant, je vois que les écarts-types sont très différents, parce que 4,46, entre 4,46 et 5,31, il bah, y a quand même une grosse différence. Alors, comment vais-je pouvoir deviner ce 5,31 parce que dans la vraie vie, il me sera inconnu. Comment vais-je pouvoir deviner ce 531 Eh bien, les gens ont fait des essais pour vous. Et ils se sont dit notamment, on va corriger l'écart type. Dans le sens où on ne va plus diviser cette fois-ci par le nombre de données. Bon, nous avons ici des échantillons de taille 3, hein, puisqu'on a trois tailles. Donc normalement, on aurait dû diviser par 3. Eh bien là, on ne va plus diviser par 3. Mais on va diviser par quoi alors ah, Regardez, le S, a priori, il est de 4,46, c'est-à-dire trop petit. Ça veut dire que je divise par un nombre trop grand pour avoir un résultat trop petit. Donc, je vais essayer de diviser par un nombre plus petit pour augmenter la valeur de mon écart type. C'est-à-dire qu'au lieu de diviser par 3, je vais diviser par 2. Paf, allez et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce nouveau tableau que vous voyez. Alors vous voyez qu'il y a encore des disparités immenses. Hein on passe de 1,96 à 7,90 quand même, hein donc euh, c'est pas rien. Mais peut-être qu'en calculant la moyenne de ces 15 écarts types corrigés, on va pouvoir se rapprocher des 5,31. Allez go, faisons un pari sur l'avenir. On va calculer la moyenne de ces 15 écarts-types corrigés bingo, ça va beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a moyen d'aller encore à quelque chose de plus précis Eh bien non. Voilà. C'est vraiment de diviser par la taille de l'échantillon moins 1 qui va amener le résultat le plus précis possible par rapport à l'écart type de la population. Pourquoi je vous dis ça bah, parce qu'il y a des gens malins qui ont mis ça en évidence. Je vous passe cette grande théorie, je suis juste en train de l'illustrer sur un exemple ici. Nous sommes des utilisateurs des statistiques, nous ne sommes pas des fondateurs des statistiques. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne, pourquoi c'est venu comme ça, de là à le démontrer. Faites-moi confiance, c'est vrai. Non, maintenant, quand on va vouloir extrapoler à la population, il va falloir modifier la définition de l'écart type il va falloir la corriger et c'est pour ça qu'on va maintenant introduire un écart type corrigé qu'on va noter s avec un petit c en indice pour dire attention c'est la version corrigée et vous voyez bien que là par rapport à ces moyennes qu'on a calculées les moyennes population et échantillon sont très proches et les écarts types population et échantillon sont également très proches. Alors, ils sont pas égaux, hein À chaque fois, vous n'avez pas l'égalité. C'est normal. Pour le moment, on cherche juste à avoir quelque chose de proche. On n'aura jamais quelque chose d'égal. Si vous prenez un échantillon de 100 personnes pour une population d'un million de données, comment voulez-vous que 100 personnes vous donnent exactement l'information du million de personnes? C'est pas possible. Donc on va juste essayer d'en s'en rapprocher le plus possible. Et avouer qu'ici, on a pas mal travaillé. Pour retenir finalement, bah, tout ce qu'il y a à retenir hors de cette capsule, c'est que si vous faites uniquement de la statistique descriptive, et ça généralement, ça concerne les personnes en dessous de 18 ans, ça veut dire que vous n'étudiez que l'échantillon, vous ne vous intéressez qu'à l'échantillon et jamais vous n'irez extrapoler vers la population. Dans ce cas-là, vous avez la définition de la moyenne de votre échantillon et de l'écart-type de votre échantillon. C'est valable si vous n'étudiez que votre échantillon. Mais comme on est des grands, on va surtout étudier l'échantillon en vue d'extrapoler à la population. C'est ça notre but premier en fait l'échantillon sera un outil ce ne sera pas une fin en soi et on va vouloir généraliser à la population et là on va faire un deuxième type de statistique qu'on appelle la statistique inférentielle et il faut alors si vous faites de la statistique inférentielle et soyons clairs c'est ce que nous allons faire hein, on va vouloir extrapoler à la population eh bien vous allez devoir calculer la moyenne arithmétique de votre échantillon formule traditionnelle, et vous saurez que cette moyenne arithmétique d'échantillon va être très proche de celle de la population. On dit, en bon langage statisticien, que c'est un estimateur non biaisé. Pour l'écart type, par contre, si on ne modifiait pas la formule, on aurait un estimateur biaisé, c'est-à-dire vous menant à une erreur. On doit corriger la formule. Regardez, S a 10 C par C par rapport à S, la seule différence, c'est qu'on a divisé par N moins 1 plutôt que par N. C'est la seule différence. Mais c'est cette petite différence-là qui va nous permettre de dire que cet écart type corrigé d'échantillon, c'est celui-là qui va être proche de l'écart type de la population. Et donc, ça veut dire qu'à partir de maintenant, c'est uniquement la colonne de droite qu'on va retenir. Mais avouez que je vous aurais donné la formule de l'échantillon comme ça, euh, avec un écart type corrigé, sans vous expliquer pourquoi on divise par n-1 moins plutôt que par n vous seriez tombé des nues, puisqu'on doit tout le temps diviser par n en principe. Eh ben non si on veut généraliser à la population, au niveau de l'écart-type et de l'écart-type uniquement, on doit corriger. On ne doit pas diviser par n, mais par n-1.